Yo tout le monde, c'est XBXX Légende sur XBXX Game for You avec Limon sur net. Salut Limon. Salut. Alors cette fois-ci, on se retrouve sur la suite de notre let's play sur Assassin's Creed 3. Donc enfin, je retourne cet épisode depuis je sais pas combien de temps. Je vous disais qu'il fallait que je le tourne et là je l'ai enfin tourné, l'épisode 2. Et comme je vous ai dit, en même temps, j'étais en compagnie de mon ami Limon. Alors, dans l'épisode précédent, on était dans l'opéra, on avait assassiné quelqu'un dans l'opéra, on avait récupéré une pierre, et là, on partait pour Washington, donc on est dans le bateau, avec Ethan Kenohe. Alors, c'est chiant parce qu'on peut pas courir. Ce jeu est épique, je joue. Ah, attends, faut que j'aille où maintenant. Alors, où faut que j'aille? Alors, je vois que c'est vers le haut. Ah ouais, c'est par là qu'il fallait que j'aille. On galère tous les deux, alors... Ouais, mais I Am Alive, je sais pas si tu as joué, mais c'est l'escalade, c'est juste le truc le plus horrible du monde. Attends, j'ai en fait, t'as une jauge d'endurance, il faut pas la déplacer, sinon après tu tombes comme une merde. Donc c'est super stressant, en plus avec la petite musique. Voilà. Attends, là je vais lancer une cinématique. Et bon, ouais, d'accord. Il devrait pas tarder à en avoir, mais je pense qu'il y en avait une, il n'y a pas dans le coin. Ah, c'est ici, normalement il y en a une, voilà. Eh bien, dirais que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Tu devrais regagner tes quartiers. Les Mouviettes n'ont pas leur place. Et c'est pour qui lui? Et pourtant, vous êtes là. Ah, ça clash, hein. Voyons si tu trouves ça drôle. Ça suffit, Craig. T'emmène pas, toi. Oh, baston! Ah putain, je connais pas trop les boutons. Ah, merde. Je vois pas trop ce qu'il faut faire là. Attends, parade, maintenez E pour faire une posture de parade. C'est ce que je fais. Sur le parade et détourner les attaques ennemies. Ah, ok. C'est comme ça, ouais. Mais merde! Mais putain! Je suis en train de galérer! Là! Voilà! Ah, ok, c'est comme ça pour frapper, super! Ouais, je l'ai démonté lui! Attends. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs? Ça va, les gars! Ça suffit! C'est le capitaine pour moi! Qu'il aille au diable, le capitaine! Et toi aussi, Mills! T'es dans quel camp pour dire ça? Super! Allez, toi, boum! Enchaîne-moi, je l'ai niqué d'un coup. Attends. Trop facile. Viens là, je peux permettre ça. Fort que judicieux. Pourquoi? J'ai perdu. Pourquoi que j'ai peur de toi? Pardon, non. Mais vous le devriez. C'est triste. Bouh! Allez. Vous abandonnez? Jamais! Énorme ce jeu. C'est un couteau. C'est parce que voilà, quoi, je suis nul, moi. Et surtout que j'ai pas accroché parce que je les ai pas achetés. Enfin, voilà. Ah, le capitaine arrive. Qu'est-ce qu'il veut? J'attends vos explications, monsieur. Mais sinon, ça a l'air des jeux assez sympas. J'ai déjà joué aux deux, enfin, le début. Donc, normalement, ça m'a saoulé. Mais au début, il y a un moment, il y a des putes, enfin pas des putes, mais des si une milf. Je sais pas si tu as joué aux deux. C'est fou. T'as vu, il y a une mif, t'as un moment habillé en... Je dois vous parler. Enfin, je vais pas spoiler, mais voilà. Qu'est-ce qu'il me veut, le capitaine? Ouais. Tu vas acheter des aides bientôt ou pas? Ouais, je compte. C'est vraiment un jeu super, franchement. Enfin, un mode. En fait, apparemment, le standalone, il sort en septembre. Enfin, fini, il sort en septembre. Non, en septembre, c'est les véhicules, et en décembre, c'est le jeu fini. Ouais. C'est long. Ouais. Alors j'ai mis les sous-titres parce que comme ça, si jamais ils vont s'arrêter de parler en même temps ou la cinématique, vous pouvez toujours suivre. Ouais. Hein. Écoutez, je parle par-dessus comme un gros connard. Ouais, comme là. Là. Ah, donc tu m'écris dessus dans les commentaires. Je suis convaincu qu'une mutinerie se fera.
tranquille le mec, les pieds sur la table. Allez. Le psychopathe, comment il s'est fait? Donnez-moi une raison de le faire. Non, j'ai ramassé du soda. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Ah, super. Alors, que décidez-vous? Si ce que vous dites est vrai. Mais j'ai une question de ton let's play sur Hunger Games que t'avais dit que t'allais faire. Les vidéos Hunger Games. Ouais, les vidéos Hunger Games. Est-ce que tu vas les faire, mais enfin je voulais juste te dire, mais tu vas les faire sur quel serveur en fait? Je sais pas. Parce que tu sais, le dernier serveur où on avait essayé d'aller, il fallait mettre les mots de passe et tout, c'était relou. On avait 3 heures. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut que... Alors, ah ouais, c'est vraiment une tuerie en mode ultra ce jeu. J'y ai joué sur Xbox, genre je l'ai fait sur Xbox, mais sur ordi c'est encore mieux. Xbox, c'est pas vraiment super les graphismes, enfin c'est moins puissant que PC en tout cas. Ouais. Alors là, faut que je retourne dans ma chambre. PC, il y a vraiment possibilité de mettre en ultra quoi. Enfin, avec des mods et tout, ça dépend après certains jeux. Comme ouais. Far Cry 3, il y a des mods qui sont en train de se développer dessus. J'interagis avec ma chaise, super. Tu veux t'asseoir? Enfin, dans Skyrim, quand il t'assoit en mode pincé, comme ça avec les couilles, avec les jambes bien écartées et tout. T'as déjà essayé de t'asseoir sur un trône dans Skyrim? Ouais, ouais. J'ai essayé plein de trucs pendant Skyrim, c'est trop différent. J'ai joué beaucoup à jeu. 70 heures. Mon frère, il a joué à 100 heures. Hein. 100 heures. Ouais, c'est... En fait, tu les vois pas passer la plupart du temps. C'est encore pire que vous. Non, peut-être pas, parce que au bout d'un moment le jeu se finit quoi. Alors c'est ce passage où j'ai bugué. Mythique. Volos. Ah non, il a réussi à s'accrocher. Ouais, putain, c'est magnifique les cinématiques là dans l'eau là. Océan Atlantique, jour 28. Oh, hit the swan. Je suis désolé, beaucoup de cinématiques hein, mais c'est Assassin's Creed. Inhalateur, c'est quoi ce truc? Capitaine. Un inhalateur. Capacité d'endurance plus. Quoi qu'il mijote, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. Ouais, je vais casser la gueule du genre. J'ai pas. C'est mon outil. Putain, le héros, il a que ça à foutre de se balader dans un bâtiment en construction pour aller chercher un médoc pour une fille qu'il a rencontrée il y a 5 minutes. Non mais c'est vrai, hein, c'est une gamine de 3 ans, il croit que c'est sa fille, et après il court après. Puis il part se rattraper par des méchants, t'es obligé de la sauver après, tu gaspilles une balle pour cette fille quoi. Les balles c'est super rare dans le jeu. Là je trouve un clochard. Attends, j'interagis avec un clochard, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a des clochards. J'ai des questions. On dirait un clochard. Tu peux leur piquer leur moto marron, c'est le gros impair. On passe pas par là que voilà. Tout le monde cause à l'essence. Bon, faut que j'aille voir le cuistot ou le docteur. Putain, l'ambiance est vachement bien fait dans la cale du bateau. Hein. Les effets d'ombre, hein. Vachement bien fait aussi. Alors ça, je suppose que c'est le docteur, mais qu'il y a un clochard qui est aussi assis. Désolé, j'ai des clochards partout. Ah, la vieille barbe. Des récriminations inhabituelles. Des hommes qui se plaignent de quelqu'un. Je suis navré, c'est par là que j'aille. Mes recherches m'ont trop accaparé pour que je remarque quoi que ce soit. Est-ce que je peux faire une petite pub pour ma radio? Un coup cinématique, ouais. Ok. Voilà, c'est fini. Donc pour ceux qui veulent aller sur une web radio qui fait des lives de 14h-15h le dimanche et... Si je me rappelle plus, ouais, 14h-15h aussi le mercredi, dimanche, samedi, 14h-15h. Vous tapez sur Google canularfm.free.fr et vous trouvez direct. Voilà. Et radio, on fait plein de canulars, on s'éclate. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur sa chaîne YouTube, c'est Dimanche sur Net, où il fait un très bon let's play sur Far Cry 3. Ouais. Donc, ça pourrait les intéresser. Voilà, il y a des mecs qui dansent. Ouais, il est où le boucher? Un gros placement de produit maintenant. Ah, il est là. Putain, il va encore y avoir une cinématique. Il y a une secousse. Edward James? Ouais. Et Pumpkin? Comment il va, lui? Je sais qui vous êtes.
Ah, c'est par là. J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais, mais pas ici. Suivez-moi. Je dois les suivre. Est-ce que vous voulez ça? Je peux faire une énorme glissade sur ce truc. Je suis sûr. Let's go. Les glissades, c'est de la mort. Sur le pont, en pleine nuit. Ah, trop bien, c'est trop stylé là. J'ai pas vraiment entendu ce qu'il raconte. Je n'ai aucune idée de ce qu'il m'a dit dans ça. Pique. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. C'est juste épique, ça. Quand il a l'intention de se mutiner. Tout ce que je sais, tu sais qu'en un jeu, j'ai passé plus de 9 heures sur un jeu. Ah ouais. Terraria qui était à 2€. Il est trop kiffant, il est trop kiffant le jeu, franchement. Merci pour ça. En plus, le jeu en multijoueur, il est énorme. Moi, j'ai essayé la version Xbox, ça m'a pas trop. Ouais, bah la version Xbox, bah, enfin PC, c'est mieux. Moi, je préfère la version PC. Parce que toi, avec la manette et tout, c'est moins bien. Tu. Je pense, hein, je sais pas. Oh, j'ai là, pas trop j'ai où, là. J'ai pas testé, mais pour moi, enfin, un jeu comme ça. Enfin, c'est un jeu fait pour PC, donc. T'as raison, c'est. Bon, ouais. Apparemment, il y a plus de contenu sur Xbox. Ouais. Il y a beaucoup de trucs. Il y a plus de boss et tout. Putain, le bateau, il est vachement bien fait. Je suis choqué. Là. C'est les graphiques, ce jeu. Bonsoir, monsieur. Graphisme. Tout va bien ? La nuit est calme, comme je les aime. Que faites-vous sur le pont ? Une simple envie de vous dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Ouais, super. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un jette des barils là-bas. Oui. Et pourquoi ? Ah, allez, à bientôt. Ah, tu l'avais coupé. Ouais, voilà. C'est une connerie. J'ai commenté mon jeu un peu. Ouais, bon, j'étais parti, j'ai coupé la vidéo. En fait, moi, j'ai eu un petit problème. Du coup, si vous avez entendu des personnes en fond, c'est le téléphone qui a sonné. Du coup, j'étais obligé de répondre. Important. Voilà. Moi, je tourne le dos quand je suis. Il y a personne. Ah, moi, il y a ma mère. Bon, alors là, fou. J'ai eu de la chance, mes parents sont jamais là. Yeah. Vision d'aigle. L'autre. Bon, bah, je vais vite retrouver la petite fille de 3 ans qui est malade depuis 3 jours et qui est morte. Ah, bah, quand même, elle est morte. Non, elle est pas morte en fait, c'est juste que elle est malade en fait, parce que ça, toi, c'est un. Il y a eu un tremblement de terre, donc maintenant il y a plein de poussière et tout, et elle est malade, fallait que je trouve un médoc à 4 km, et juste pour la sauver alors que je la connaissais depuis à peine 2 heures. Ah ouais, j'ai perdu de la vie, des balles, de l'endurance, de la nourriture, tout ça pour une fillette pourrie en plus. Et en plus, ce qui me saoule, c'est que. C'est que je l'ai laissée toute seule avec. En plus, on entendait un mec tousser dans le bâtiment. Donc, je pense qu'elle est morte ou que je vais la retrouver. Avec, en fait. Enfin, le mec, il va me dire, je vais devoir le buter, quoi. Mais j'ai plus de balles, donc je peux rien faire. Voilà. Ok. Alors. Tous les choix que tu fais dans le jeu, c'est important. Toutes les erreurs, et tu peux les payer. T'es obligé de tout recommencer. Ah ouais, d'accord. Genre, je perds une balle, et je peux pas passer un passage. Mais il est stylé ce jeu. Pas mal fait, ouais. Il a été un peu bâclé sur la fin, mais sinon ça. Ça aurait dû le. C'est pas un jeu en 2D, non ? Non, pas du tout. C'est en 3D. En 3D, mais. Du nouveau. Il est live. Chaque nuit, allez. C'est la même chose. Je patrouille un secteur. Je suis vivant. Et il jette les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre pertinente. James, peut-être. Mills. Mais pourquoi font-ils ça ? À mon avis, ces barils servent de repère. Laisse une relancer le jeu. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent aient l'intention. Hein quoi? T'as relancé le jeu? Ouais, bah, je suis en cinématique. Il se prépare à faire peur. Oh putain! Tout le monde à son poste! Armez-les! On nous tire dessus. Attention! Touchez-vous! Merde, j'ai perdu de la vie! Putain, j'aurais pu les frayer avec mon gun, mais j'étais ils trop. Ils ne veulent pas nous couler, mais nous aborder! Tous en pièces! Au poste de combat. Ouais, au poste de combat. Au pont inférieur. Pourquoi? Laissez-moi aider à défendre le navire. Vous savez créer une voile, charger un canon, vous battre en mer. C'est ce que je pensais. Alors retournez dans votre canon. Vais-je devoir vous faire escorter? Oh, je vais pas faire la bataille, c'est nul. T'es sérieux là? Ouais, je suis sérieux. Non mais pas toi. Éteins.
Sérieux, il m'a tiré une balle, sans foiré. Et voilà, je meurs comme une merde. 4,5 contre moi, 4,5 contre moi, 100 balles. On ne te ferait pas suivre. L'IA, elle est trop bien gérée dans le jeu. Bon, ils arrivent de tous les côtés, ils me piolent, et après... Toi, t'es mort, je n'avais pas repéré le mec avec le pistolet. Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame. Merde, j'ai tiré sur le mauvais. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer? Lutte à mort, connard, vas-y. Ouais, je dois en redoubattre, là. Ah, il me passe une épée. Yeah, j'ai plus du tout de vie. Trop cool, j'ai une épée. Les crèves à mes pieds, toi. Ah, je peux récupérer une balle. Récupérer une balle, mais j'ai plus du tout de vie, c'est sûr. Alors, je ne sais pas manier une épée. Merci, mais... Je pense que je vais quitter le jeu et je peux aller faire tout ça du Minecraft, ça sur tout ça du DZ, ça du Minecraft, pour rien. Ah, c'est un boss. Ah ouais, je m'en souvenais plus, ça. Ah, il y a un truc, là. Ah non, c'est juste le soleil. Trop facile ce boss. Putain, pourquoi ces ennemis ils étaient pas là tout à l'heure? Oh, je l'ai éclaté contre un tonneau. Et je l'ai collé contre un tonneau, je l'ai poussé, j'ai foulé un coup de pied, ça l'a éclaté contre le tonneau. Oh, épée dans le cul. Ah bah elle est encore vivante la petite. Je vous ai dit de rester en bas. J'ai perdu 3 quarts de ma vie pour la sauver. Les Mills m'attendaient dans la cale. C'est lui qui a attiré ce navire. Il n'y a pas de mutinerie. Il a agi seul. Que veulent-ils? Moi. Alors qu'ils vous prennent. Vraiment? Ils vont nous rattraper. Nous ne pouvons rien y faire. Ah, les bâtards. Vous voulez que nous voguions vers la tempête? C'est notre seule chance. Je dois en battre quelqu'un. Putain. Il a plus de batterie sur son sac. Oui. Comment le mec est, je l'ai soumise. T'sais, j'y fais on va par là. Et là il fait non, je m'y oppose. Et là je dégaine ma dague, il fait en fait ouais. Dans la journée. Ah ouais, ils sont vachement prévus. Précis. Ils sont athlétiques dans la journée. Merci James. Merci John. John. Je sais pas, c'est un film ou je sais pas quoi là. Merci John. Je vous avais dit que c'était la folie. Bon allez, c'est bon, la ciné, magnifique. Super, j'ai plus de vie. Rejoindre l'entrée du métro avec presque plus de vie. Waouh. J'ai plus une balle. T'as pas des allergènes? Je vais aller là-bas, cours. Cours, Etam, cours. Ah merde, c'est un gros lard, il veut pas courir. Marche rapide, attention, je cours pas, je fais une marche rapide. Il y a toujours le connard qui tousse depuis tout à l'heure. Attends, on est en pleine tempête là. Faut que j'aille là. Sécurisé, ok. Putain, mais il se trimballe la petite sur le dos comme s'il avait pas assez de problèmes. Oh là là là. Ouais, je tire la corde. Ouais. J'ai 2 balles. Oh, une corde à lâcher, c'est con. Oh, j'ai 2 balles, je suis... Pousse-toi avec ton gouvernail. Et là, je suppose que, comme par hasard, il va y avoir 40 000 personnes dans le centre commercial, alors que tout à l'heure... Voilà, cet épisode, ça sera surtout un épisode cinématique, parce qu'il y a beaucoup de cinématiques dans cet épisode. Il n'y a pas trop d'action. Si c'est le début de Assassin's Creed, il y a beaucoup de cinématiques. On peut dire. Sérieux, mais je passe pas où? Ah, faut que j'aille au sous. Putain, t'as que ça à foutre de tomber, toi. Oh là là. Ouais, faut que je monte sur le grand mât. Oh putain, il y a des vagues, ça tangue. Voilà. Alors, de souvenir, c'est comme ça qu'on escalade, ouais. Hop. Ça, j'ai pas trop perdu la main.
que demain je pourrai faire un live vu que c'est l'après-midi. En plus, il y a plein de connexions. Ouais, ah voilà, j'ai trouvé comment sauter, je m'en souvenais plus comment fallait faire pour sauter. Sinon, moi je suis un warrior. Ah ouais, il y a la foudre qui a frappé. Oh là, oh là, oh là, ça part en couille là. Leur merde, il y en a un qui a un flingue, fait chier. Aïe. Alors toi tu recules. Recule. J'ai 30 secondes, vite, 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 cours, cours, Ethan, cours. Ouais, pouf, je le plaque comme un rugbyman. Par terre. Oh, c'était le truc héroïque. Tu vois, il y avait un mec qui était suspendu à un truc, il est tombé, moi je cours, je saute, je le plaque et je le colle par terre pour le sauver. C'est comme quand quelqu'un essaye de sauver une autre personne des flammes. Oh, il a coulé le bateau d'Ers. Il fait beau. Océan Atlantique, jour 72. Putain, bâtard, c'est long. C'est-à-dire, c'était long à l'époque. Hein. Londres, États-Unis en bateau. Hein. Là, il y a le mec en train de vomir dans sa gueule. Je déconne. Non, je déconne. Hein. Je suis désespéré. Non, il est sérieux. Allez, crève. Ah, t'es sérieux, c'est combat, il m'a tué. C'est pas de la... J'espère qu'on arrive bientôt. Pas des soins, si j'ai des soins. Parce que là, j'ai mes règles. Hein. Moi je suis malade sur un bateau, j'espère que c'est bientôt fini. Ah j'ai trouvé le bouton comment courir. Oh, alléluia. J'ai mes règles autour de l'écran là. Gna gna. Allez, il y a un truc là. Ah gna gna gna, gna gna gna. Préparez-vous à pas ouvrir cette merde. Y'a quoi derrière? Un flingue. Il y a une balle, c'est sérieux, je vais la récupérer. Crie-moi t'en dise non. On arrive à Washington. Ouais. Oh, fais chier, y'a combien d'ennemis là? J'ai une balle et y'a 3 ennemis, 4 ennemis, putain. Putain, faut que je remonte sur le main. Je suis mort là. Est-ce qu'ils me veulent du mal? Ah non, c'est des potes. S'il non, plaît, je te veux du mal moi. Ah cool. Ouais, je monte en haut du mal parce que moi je suis Chuck Norris. Nope, Chuck Tester. Alors là, si on s'en met, il y a un truc épique, là, c'est épique ce moment-là, là. Cette cinématique juste ici, elle est juste épique. Non, je ne ferai rien. Putain, l'enculé, il l'a tué. Ouais, ouais, les États-Unis, Ubisoft présente. Assassin's Creed 3. Bah ils sont tous les deux morts comme des merdes. Putain ça claque. Ah il y a un truc là. Une salle séquence 1 terminée. Voyage vers le nouveau monde. Qu'est-ce qu'elle veut elle? Un bonus. Ouais nous arriverons à Washington d'ici. Height. Bref. Bref, je suis arrivé à Washington. Ah, je suis dans le métro, c'est cool. C'est un peu salé. What the fuck. Putain, il y a encore des ennemis partout. Oh, oh ça lag, ça lag. Je vais pas tarder à finir cet épisode parce que nous sommes arrivés à Washington, la séquence de commence. Je laisse juste cette petite dernière cinématique. J'ai si, j'ai le temps. Là ça lag vachement là. Oh c'est horrible ça lag. Ils veulent pas de mal. Master Kenway! Master Kenway!
Viande de rat ramassée, rien à foutre, mais ça me donne de la vie. De vous montrer la ville, de vous aider à vous installer. C'est inutile, ça. J'ai pris soin de faire livrer vos bagages à l'auberge. Excusez-moi, j'ai faim. Est-ce que ça me donne de la nourriture? Oh yes, de la santé. Et voilà, l'épisode 2 est fini. Merde. Mais... Leur parler. Ah voilà, et voilà, l'épisode 2 est fini pour le moment, donc je vous dis salut tout le monde. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne, liker, nous envoyer des messages si vous avez des trucs à nous dire. Et surtout faites partager la chaîne pour nous faire plaisir. Et aussi elle est sur Limon, sur Net et sa web radio, je mettrai le lien en bas de description. Allez, ciao tout le monde.